Ici, il y a 8 hectares de pré-vergers sur une surface de 68 hectares, oui. Donc tout en prairie, bien sûr. Et concernant le rapport pomme par rapport au restant de l'exploitation, c'est 5 à 10% du produit. Hein. Okay. Oui. Voilà. C'est suivant les années. Hein. Sur les 8 hectares, il y en a combien qui sont en production? Donc sur les 8 hectares, il y a à peu près 800 pommiers plantés, 250 en production. D'accord. Super. Voilà. Merci. Tout à l'heure, tu me disais que vous auriez le projet de transformer vous-même. Oui. Tu peux m'en dire plus? Disons que c'est un projet, comme il y a le fiston qui est à l'école, donc il a encore un an à faire. Et donc après, il veut s'installer, il va revenir sur l'exploitation. Donc il va falloir trouver une solution quand même pour pouvoir dégager un revenu supplémentaire. Donc on évoque de faire de la transformation. Comme on a le produit sur l'exploitation, il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre pour le transformer. Oui. Voilà. Donc c'est un projet peut-être déjà pour l'hiver prochain, pour le jus de pomme, on verra. Vous feriez quoi comme transformation? Transformation, alors jus de pomme, cidre. D'accord. Ouais. Ok. Avec un petit magasin, un petit atelier. D'accord. Et en termes de technicité, ça, vous allez être ok, vous allez être formé. Déjà, dans le cidre, on y est quand même un petit peu. On en fait pour soi en consommation personnelle, donc on part pas de zéro, disons. Mais bon, il y a toujours des choses à savoir. Il y a des erreurs à ne pas faire. Et voilà, c'est tout. Après, il y a une formation aussi à suivre. Pour élaborer un bon cidre, le tirage. Merci. On a une copine qui vient nous voir. Ah ouais. Là, chez vous, là, pour l'instant, les pommes sont récoltées pour faire du cidre. Ouais. Pourquoi vous ne faites pas du jus, voire pourquoi vous ne faites pas de la pomme à couteau? Le problème, pomme à couteau, le problème, c'est qu'il faut aller les cueillir, ouais. Là-haut. Ah, donc il faut être à deux minimum avec un chargeur, un tracteur, voilà. Donc il y a beaucoup de temps à passer et après le rapport coût et la vente, ouais. C'est pas évident. Hein. D'accord. Mais voilà, après, je peux dire.